Bonjour Jean-Marc, c'est Nico. Avec Marc-Antoine Lebray, Anaïs Petit. Bonjour Julie, bonjour Jean-Marc, c'est Julien Lepers. Quelle énergie. Ouais, pour la nouvelle année, on ne perd pas de temps. Le jeu. Qui suis-je? Top. On parle de moi beaucoup pendant quelques jours, puis on m'oublie très vite, mais je ne suis pas un gagnant de la Star Academy. Tout le monde a envie de me prendre, mais je ne suis pas Laetitia Castard. C'est élégant. Je suis un vœu pieux, mais je ne suis pas le programme de François Hollande. Je suis. Une bonne résolution de début d'année, voilà. Julie, Jean-Marc, vous gagnez une encyclopédie des meilleures résolutions non tenues en 7000 volumes. 7000, ça fait beaucoup. Ouais. Bonjour, c'est Laurence Ferrari. Alors moi, j'espère vraiment que 2013 va bien se passer, hein, parce que 2012, c'était pas top. Hein, Roselyne? Oh, bon, pourquoi tu dis ça, Lolo? Bon, c'est vrai que quand tu présentais le journal de TF1, les audiences ont jamais été aussi mauvaises. Et que le grand 8 marche pas bien. Mais bon, à part ça, ça a été 2012. Oui, mais à part ça, j'ai rien fait, Roselyne. Oh oui, t'as raison, t'as vraiment tout raté, en fait. Merci, Roselyne. Salut, c'est Raymond. Raymond Domenech. Ouais. J'ai vu que vous parliez des tops et des flops de l'année, et en ce qui concerne le football, le flop c'est les incivilités et la grossièreté des joueurs de l'équipe de France, et du coup, le top, c'est les ventes de mon livre. Comme quoi, je fais aussi des trucs qui marchent. Bonne journée. Bonjour, c'était Fascholi. Je vous appelle pour vous présenter mes vœux pour 2013. Ils sont au nombre de 5. Vœux gagner une élection, vœux être élu, vœux remporter un scrutin et surtout, vœux avoir un mandat politique et que tes chants fottent enfin pour moi. Bon, je vous laisse. Comme en 2012, il faut que je retourne m'ennuyer. Bonjour, c'est Philippe Bouvard. Tout de suite, question de Madame Lagueule de Blois. D'où vient l'expression « présenter ses meilleurs vœux » Olivier de Kersauzon, vous avez une réponse? Ouais, je dirais que ça vient de toi, mon petit bonhomme. Oh la vache! Parce que, tous les jours, quand tu dis qu'il y a autour de toi aux grosses têtes, on peut dire que tu présentes tes meilleurs vieux. Tes meilleurs vieux, bonne réponse de l'amiral. Merci beaucoup en direct, Marc-Antoine Lebray, Anaïs Petit pour ce tweet répondeur.